Yo les sportifs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous reviendrons sur l'un des sports de combat les moins médiatisés et pourtant l'un des plus efficaces au monde, j'ai nommé le Jiu-Jitsu brésilien. Le JJB est un sport de combat de préhension qui joue sur les projections, les étranglements, les clés articulaires ou encore les effets de levier pour maîtriser un adversaire. Les combats en JJB se déroulent très majoritairement au sol et en kimono, même si les combattants démarrent debout. L'issue d'un combat se décide lorsqu'un adversaire tape pour abandonner. Pour comprendre les origines du Jiu-Jitsu brésilien, il faut remonter à l'ère Edo du Japon vers le début du XVIIe siècle. Les samouraïs d'alors avaient inventé une forme primitive du Jiu-Jitsu traditionnel dans le but de se défendre au cas où ceux-ci se retrouveraient désarmés au sol. Près de 3 siècles plus tard, Jigoro Kano, Jiu-Jitsuka rompu à toutes les techniques, révisa le Jiu-Jitsu traditionnel en reprenant les concepts clés de cet art martial et en l'adaptant à sa vision. Il devint ainsi le père fondateur du judo et fonda l'école Kodokan, destinée à l'apprentissage du judo. Petit fun fact au passage, c'est Jigoro Kano qui a instauré le système graduel des ceintures et des dan dans les arts martiaux afin de distinguer le niveau de ses élèves. Dans l'optique de populariser le judo, il envoya ses élèves à travers le monde un peu à la manière des Rothschild, dont un fit sensation et fut à la base du Jiu-Jitsu brésilien, Mitsuyo Maeda. Ce dernier voyagea à travers le globe afin de combattre des champions de divers sports de combat et d'arts martiaux et ainsi démontrer la supériorité du judo sur les autres disciplines. C'est au Brésil, plus précisément à Belém, que le destin des arts martiaux bascula. Maeda, chargé d'implanter une colonie japonaise au Brésil, sera aidé par un diplomate influent du nom de Gastão Gracie. En remerciement de l'aide apportée par Gastão, Maeda proposa d'entraîner ses fils, signant le prélude du Jiu-Jitsu brésilien. Carlos Gracie, le fils de Gastão, adapta le judo de Maeda au style brésilien, mais c'est avec Hélio Gracie, son frère, que le JJB connaîtra son essor. De faible constitution, Hélio Gracie réajusta le judo pour l'adapter à son anatomie. Il voulait prouver qu'un combattant en apparence gracile et faible pouvait battre n'importe qui sans distinction de poids ou de taille. Cette philosophie fondera le sport de combat que l'on traite dans cette vidéo aujourd'hui. Hélio lança des défis à tout type de combattants, ce qu'on appellera les Gracie Challenge. Tous les coups étaient permis, c'était la naissance du Vale Tudo, qui deviendra par la suite le MMA, un sport plus codifié. Mais le JJB était encore un sport de préhension relativement obscur hors des contrées brésiliennes. Royon Gracie, le fils aîné d'Hélio, fut chargé de promouvoir le JJB aux États-Unis, ce qu'il fit en organisant un tournoi interdisciplinaire pratiquement sans règles ni limites de temps afin de juger quel était le sport de combat le plus efficace. C'est ainsi que l'UFC vit le jour. Royon nomma son jeune frère Royce Gracie pour représenter le JJB car il était de corpulence chétive et personne n'aurait misé un peso sur sa gueule. Et pourtant, le Boug enchaîna les victoires contre les champions de boxe, de karaté, de kickboxing et remporta l'UFC 1, mais aussi la 2e et la 4e édition. L'efficacité du JJB choqua la sphère pugilistique. On prit conscience de l'importance du combat au sol et très vite, de nombreux combattants se perfectionnèrent dans ce domaine. C'est l'avènement d'un nouveau style de combat plus complet, plus réfléchi. Et pour couronner le tout, un autre Gracie, Rickson, consolidait la prééminence du JJB au Pride, une compétition de MMA organisée au Japon et qui est plus ou moins l'équivalente de l'UFC dans ce pays. A noter que le JJB a longtemps été en opposition à la lutta libre, la lutte libre. Ce sport reprenait plus ou moins les mêmes concepts que le JJB, mais la différence entre les deux écoles reposait sur des questions d'ordre technique ou culturel. Selon les chiffres, Hélio compte 2 défaites seulement à son palmarès, mais retentissantes. Hélio avait tout d'abord lancé un défi à Yukio Kato, 5e dan de judo et élève de Masahiko Kimura. Kato perdit au bout d'une demi-heure de combat et on en vint à remettre en doute l'efficacité du judo. Puis à travers la presse, ce fut au tour du célèbre Masahiko Kimura d'être challengé. Dans son autobiographie, Kimura dévoila les dessous de son combat contre Hélio Gracie. On apprend ainsi que le plancher du ring était plus léger qu'un plancher classique afin d'atténuer le choc causé par les projections de Kimura, qu'un cercueil avait été préparé pour annoncer la défaite de Kimura qui s'est aussi ramassé plusieurs jets d'eau sur la tête, accessoirement, hein. Hélio Gracie faisait 1m80 pour 80 kg, démystifiant le mythe de l'écart de poids entre les deux combattants, mais aussi et surtout que le président du Brésil était présent en personne. Tout ceci en combattant dans les règles brésiliennes. Bref, Masahiko Kimura, you legend. Et le pire, c'est qu'il a gagné. Kimura a gagné. En début de combat, Kimura avait laissé Hélio inconscient, mais celui-ci put continuer le combat grâce au lobbying derrière l'événement. Après plusieurs projections au sol, Kimura finalisa Hélio à l'aide d'un nudegarami, une sorte de clé de coude des familles, au point même de lui briser le bras. Pour autant, Hélio n'abandonna pas le combat et il fallut que son coin jette une serviette pour y mettre un terme. Kimura réhabilita le judo et le nudegarami devint la célèbre technique de soumission, aussi appelée Kimura.
Sa deuxième défaite fut contre son ancien élève Valdemar Santana, au terme d'un des matchs les plus longs de l'histoire du Valet Tudo, 300 putain de 25 minutes. Je vous laisse faire le calcul en heures. C'était en 1955 et Elio avait 44 ans quand son adversaire plutonique en avait 26. La même année, Carlson Gracie, le neveu d'Elio, lava l'affront commis par Santana en le battant, vengeant ainsi son oncle. Un autre combattant a défié et battu la famille Gracie à tel point qu'on le surnomma de Gracie Hunter, le chasseur de Gracie. Il s'agit de Kazushi Sakuraba, légende du Pride, qui a battu 4 membres des Gracie, à savoir Royler, Royce, Renzo et Ryan Gracie. Pour plus de détails à son sujet, je vous renvoie vers le focus qui lui est consacré sur Instagram. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'aurais pu parler des différentes organisations comme l'IBJJF, la SJJF, mais j'avais la flemme. J'espère en revanche avoir mis en lumière un sport encore trop peu médiatisé en Europe, même s'il se démocratise peu à peu. N'hésite pas à liker, à nous follow sur Instagram, c'est super important, et surtout à partager notre contenu parce que 90 abonnés. N'oublie pas de faire du sport, c'est super important. Oh,